tranquille. Non, c'est les bienvenus. Ok, merci. Où est maman? Là-bas. Maman, je suis là. Maman. Maman, oncle est là. Maman. Maman. Nemo. Maman. Hey. Maman. 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 Regarde-moi. Regarde-moi. N-Y-C. C'est ça. Garde à vous. Garde à vous. Maman. Donc, maman. C'est fini. Maman. Oui. Tout est fini. Maman. Mon fils. Fini la vie académique. Plus d'études dans la nuit, maman. Maman, je l'ai fait. Je l'ai fait, maman, je l'ai fait. Mon fils. Je l'ai fait. Tu as réussi. Oh mon Dieu. Salut. Salut. Maman. Garde à vous. Garde à vous. Maman. Salut. Maman. Maman, regarde comment ça lui va. Maman. 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 Hein? Maman. Salut. Maman. Et gauche. Gauche. Voilà. Gauche. Hein? Droite. Maman. Droite. Maman. Maman. Gauche. Hein? Maman. Droite. Maman. Droite. Maman. Je le ferai. La sauce est délicieuse. Merci. Je t'en prie. Durant notre service au camp, personne ne nous donne ce genre de nourriture. Personne. C'est pour ça qu'on l'appelle la nourriture de la maison. Maman, ta nourriture m'a manqué. Mon fils. Oui, maman. L'espoir n'est pas perdu. Maman, tu me dis toujours ça. Je me rappelle de ces jours. C'était cette déclaration particulière qui m'a encouragé à réaliser ce que je suis aujourd'hui. Je ne serais pas arrivé là où je suis aujourd'hui sans toi, maman. Mon père était abattu et dévasté. Son seul frère survivant devient soudainement un tyran et nous a arraché tout ce qui nous appartient. La seule sœur que j'ai à épouser est lunatique, qui s'est engagée dans des activités illégales. Et sa famille s'est retournée contre ma sœur. Il l'a tuée avec frustration. Comme cela ne suffisait pas, ils ont chassé ses enfants de la maison. Pauvres petits enfants innocents. Quand papa était décédé, je pensais que c'était la fin du monde. Je pensais que c'était la fin de notre vie. Mais maman, tu as pris l'engagement. En traversant dépression et agonie, pour me voir faire mes études, tu as fait tout ce qui était humainement possible pour s'assurer que nous survivons. Honnêtement, maman, c'est incroyable. Je n'arrive toujours pas à croire comment tu l'as fait. Mais j'attends le jour où je te montrerai ma reconnaissance. Mon fils, il n'est pas encore temps pour parler de ça. Le jour que cet homme arrivera, je te ferai savoir. Pour l'instant, ce à quoi nous devons penser, c'est comment tu vas trouver un travail. Je ne sais pas ce que tu planifies pour trouver du travail. Maman, j'ai un ami qui est à son tour un ami qui a un lien dans une cuisine de confiserie au port à court. Je ne comprends pas. Maman, ne t'inquiète pas. Tu as fait ta part. Et je suis prêt pour la lutte pour le marché du travail. Que Dieu soit ta force.
Amen. Dieu est avec toi. Amen. Finis ton assiette. Alors, oui, j'ai mon nom. J'ai pas faim. J'avais déjà mangé, t'inquiète. Mon fils, écoute. Maman. Je sais que ça ne va pas être facile. De l'autre côté, beaucoup de choses se passent là-bas. Mais rappelle-toi de ce que j'ai toujours dit. Aie foi en toi. Ce n'est pas par ta force ou par ton intelligence, mais plutôt par la grâce de Dieu. Pour ça, tu dois avoir foi en toi. Et tout va bien se passer. Ça, c'est vrai, maman. Deuxièmement, tu sais, attends que Mère, j'ai beaucoup fait pour toi. Mais tu essaies toujours de te comporter un homme. Tu trouves des solutions si elle a des problèmes. C'est bien. C'est comme ça qu'un homme se comporte. Mais je te dois beaucoup, mon fils. Je sais qu'une fois en ville, ça ne doit pas être facile. Mais je t'en prie, si jamais un problème t'arrive là-bas, ou soit tu traverses des moments difficiles et que tu n'arrives pas à le résoudre, juste dis-le et moi et nous les résoudrons ensemble. Maman, ça va. On a assez traversé dans cette maison. Il n'y aura plus de problème. Amen. J'irai en ville. Et je crois que je vais trouver un travail décent à faire. Je le crois aussi. Bon voyage. Commence à partir. J'ai pas envie que tu voyages tardivement. Je le ferai, maman. D'accord. Maman, je t'aime beaucoup, maman. Je t'aime aussi. Merci, maman. Merci. Maman, cesse de pleurer. Je ne pleure pas. Je ne pleure pas, mon fils. D'accord, maman. Prends soin de toi. Salut, t'ai-je pris beaucoup de temps? Quelque chose comme ça. Bien, je suis désolé, tu devrais savoir que je suis le directeur général de ma compagnie. Et c'est mon devoir d'assurer la bonne gestion des ressources de ma compagnie. C'est mon travail. Notre capacité de production est vraiment très fructueuse. C'est bien, j'ai compris. Vraiment. Très occupé. Combien est-ce que ce travail qui paye quelque sorte? Je ne sais pas quoi te dire, mais ça paye très bien. Ouais. Pas qu'il en soit. On peut continuer. Parfait, allons-y. C'est quoi? Il y a quelque chose qui dérange? Non. Thank you.
Je sais, mon fils. Ça ne peut pas être comme ça. Je sais que tu es loin. Mais tu ne peux pas croiser les bras juste comme ça. Tu finiras par t'en sortir. Je sais que ce n'est pas de ta faute si tu n'arrives pas à trouver de travail. C'est la situation de notre pays. Ce pays n'est pas stable. Mais cela ne signifie pas que tu dois rester à la maison et croiser les bras sans rien faire. Tu dois t'efforcer, tu dois trouver un travail. L'âge avance. J'ai de la peine pour toi. Je sais ce que tu ressens. Oui. Je sais que tu vas t'en sortir. J'ai arrangé quelque chose pour toi, mais tu dois d'abord rentrer à la maison pour qu'on en parle. C'est pas quelque chose qu'on peut discuter au téléphone. Reviens à la maison et on va résoudre ça ensemble. Ok? Tu cherches un moyen pour dire non. Je suis vraiment désolé pour ça, monsieur. Je comprends parfaitement ce que vous ressentez pour ça. Mais n'oubliez pas que votre femme était déjà dans un état critique quand vous l'avez amenée ici. Eh bien, alors quoi? Et alors quoi, docteur? N'êtes-vous pas le même docteur qui m'a reçu la dernière fois que je l'ai vu? La dernière fois que j'ai checké, docteur, elle allait parfaitement bien. Elle était bien vivante. Et maintenant, vous me demandez de croire à une histoire que la femme enceinte, celle que j'ai emmenée dans cet hôpital, est morte? C'est tout simplement inconcevable. Monsieur, veuillez vous calmer. Me calmer pourquoi? Pourquoi dois-je me calmer, docteur? Pourquoi me calmer maintenant? En ce moment précis, je commence vraiment à... Désolé de le dire, docteur, mais je commence vraiment à douter de vos compétences en pratique médicale. Et docteur, vous savez quoi? Je vais moi-même aller vérifier ce qui est arrivé à ma femme. Je vous promets cela. Merci bien. Bonjour, monsieur. Nous avons un problème. Quel problème? Monsieur, c'est le mari de la femme. Il n'est pas du tout content pour ce qui s'est passé. Et tu vas lui permettre d'aller voir sa femme? Je t'ai remis une grande somme d'argent pour me rendre ce service. N'est-ce pas? Bon, écoute-moi un peu, docteur. Alors, nous avons déjà conclu un marché avec toi pour exécuter cette femme. Donc, je n'attends pas de toi une moindre bêtise. Alors, récupère-moi les organes dont j'ai besoin et envoie-les-moi. Est-ce que tu me comprends? Tu n'as pas le droit de paniquer. Si son mari veut nous créer des ennuis, tu sais exactement quoi faire. D'accord, monsieur. Vous allez tout avoir. D'accord. J'attends une suite favorable. Merci, monsieur. Maman! Hey!
Maman. Dieu, que mon Dieu soit loué. Maman. Tony. Oui, maman. Mon garçon. Oh, maman. Bienvenue. Toujours fraîche. Maman. Hey. Mais non, regarde ma petite. Vous allez très bien. Oui, oui. Tout le monde va bien. Toi, tu n'as pas changé, oh, tu es toujours le maman. Même. Maman. Allez, vas-y, que je t'arrive là. Maman, regarde-moi, non. Hey, mon fils. Maman. Comment a été le voyage? Maman, mon voyage s'est bien passé. Hey, s'il te plaît, tout mon est fils. Bien passé. Allez, on entre à la maison. Te voilà. Va. Hey. Maman. Je suis ici maintenant. Alors, quel est l'arrangement que tu as dit que tu as fait pour moi? Je me suis arrangé pour prêter de l'argent à Maziozo, l'ami de ton père. Te rappelles-tu de lui? Attends, maman. Tu parles de Ozo, le prêteur d'argent? Exactement. Non, maman, mais non. Pourquoi allons-nous aller vers cet homme? Ah. Les gens disent beaucoup de choses horribles sur lui. Et personnellement, je ne suis pas confortable avec lui jusqu'à aller faire quelque chose avec lui. Je te comprends, Tony. Je suis obligée de le faire pour toi. Tu es mon fils. Et je t'aime beaucoup. Te voir souffrir me fait très mal, mon fils. Hein? Ça me fait monter la tension artérielle. Je n'arrive pas à les supporter, mon fils. Tu sais, je ne saurais pas te voir souffrir. Je ne saurais pas. Donc, il serait mieux que je prête de l'argent. Je n'ai pas envie de mourir. Non. Maman, mais s'il te plaît, ne dis pas ça. Tu ne mourras pas avant ton heure. Amen. Tu vivras pour voir tes grands-enfants. Amen et amen. S'il te plaît, arrête de dire ça. Tu me fais peur avec ces mots. Ne les sois pas. Ok. Mais maman. Oui. Alors, de combien parlons-nous? Oh, c'est pas beaucoup. Juste 250 000 naira. Quoi? Maman. 250 000 naira. Oui, c'est pas beaucoup, mon frère. Je veux dire, si tu veux débuter avec le business en ligne, c'est le genre de somme. Maman, je parle de comment rembourser cet argent. Tu ne dois pas t'inquiéter pour ça. Tu parles à la femme qui s'est débattue seule pour t'envoyer à l'école. Tu ne dois pas te déranger pour ça. Je vais payer cet argent moi-même sans stress. Tu comprends ce que je dis? Maman, ok. Ok, maman. Hein? Qu'est-ce que tu vas présenter comme garantie pour avoir cet argent? Je sais que cet homme ne te donnera jamais une telle somme d'argent sans garantie. Maman, j'espère que ce n'est pas ce petit lopin de terre que papa nous a laissé avant sa mort que tu vas utiliser. Tony, arrête de te troubler. Ah, tu oublies que la femme dont tu es en train de parler est la seule qui t'avait envoyé à l'école sans l'aide de qui que ce soit. Quant à ça, c'est un petit problème. Je vais continuer à payer jusqu'à ce que je solderai la dette. D'accord, maman, si tu le dis ainsi. Ça me revient. La fois passée, j'avais croisé ton ami. Tu te rappelles de Mathieu? Mathieu. J'avais croisé sa mère. Elle a dit que Mathieu va très bien. Il est maintenant en ville. Ses affaires marchent très bien. Il achète et vend aussi des histoires. Je suis sûre qu'il ne vivra plus longtemps ici au village. Mais je peux toujours prendre son numéro chez sa mère, comme ça on va l'appeler. Comme ça, il va t'aider dans le business, qui sait. Il peut te filer un coup de main, tu en as besoin. Maman, tu es une femme extraordinaire. Oh. Tu es la meilleure mère dont personne ne pourrait rêver. C'est parce que j'ai un fils adorable. Tu sais quoi, maman? Quoi? Je ne vais jamais te décevoir. Je prendrai cet argent, j'irai en ville, l'investir... Et fais bon usage de ça. Et je reviendrai ici pour te rendre fière. Ouais. C'est pour ça que je n'ai pas de choix. Si ce n'est pas celui de te donner le meilleur. Nemo, maman, tu es une bonne planificatrice. Hein. Tu es un brillant cerveau. Assez parlé business. Maintenant, il est l'heure de manger. Que je leur demande d'apporter la nourriture ici ou soit tu iras à la maison. Maman, dis-leur de m'emmener ça ici. Sais-tu ce que nous avons préparé pour maman, toi? Maman, qu'est-ce que c'est? À goût. Qu'elle m'amène ça? C'est la viande. Mais moi. Et pas seulement mais ça. Moi. Les riz aussi. Maman, qu'elle m'amène ça? Attends, tu vas voir. Hey. Tony, mon fils. Nemo. Hey. Messieurs, vous tenez vraiment le père? Vous pensez qu'il y a une personne derrière ça? Écoutez.
Cela me fait énormément plaisir d'impliquer la police dans ceci. Mais je pense que je devrais vérifier ceci par moi-même d'abord. Docteur, il s'agit de ma femme. C'est de ma femme dont nous parlons ici, docteur. Je l'aime et j'ai beaucoup d'attention pour elle. Je commence à avoir le pressentiment que quelque chose ne va pas vraiment très bien avec elle. Je vous en prie, docteur, ne cherchez pas à ce que ceci devienne pire que ça ne l'est. Je vous en prie, ayez pitié. Bon, d'accord. Allez-y. Bonjour, messieurs. Oui, allô, docteur. Je voulais vous informer que j'ai maintenant tout ce que vous cherchiez. Oh, quelle est la suite avec le mari de cette femme? Je me suis occupé de lui. J'enverrai mes gens pour se débarrasser de ce corps. D'accord, monsieur. Prends aussi soin de toi, ok? D'accord. Voilà, c'est fait. J'ai une bonne nouvelle, mes potes. Je pense que tu as une bonne nouvelle. Bon, j'étais parti là-bas très tôt matin et je me suis dit d'aller faire un tour pour changer un peu mes idées, vous savez, non? Comme j'en ai toujours l'habitude, vous savez, dans notre métier. Comme tu fais d'habitude. Oui, c'est ça, tu as raison, mon pote, oui. Vous savez très bien que moi, votre pote, je fais toujours très bien mon travail. Et c'est là que je vis un petit peu heureux et s'est promené avec un très beau téléphone. Je lui ai surpris pendant qu'il était distrait. C'est ça, mon frère. J'ai sorti toutes les griffes d'un gangster et j'ai récupéré le téléphone. Vous connaissez ces gens de petits qui sont trop têtus là. Et comme je savais qu'il était dans mon secteur, j'étais très dur envers lui et j'ai récupéré le téléphone. C'est vraiment une nouveauté, c'est un très beau téléphone. Et tu as pu récupérer le téléphone? Ben oui, tu veux une preuve? Attends, tu vas voir. Je dois voir d'abord. C'est pas vrai. Magnifique. Un très joli téléphone. C'est magnifique. Number one. C'est magnifique. Exécution, grand leader. Félicitations, mon gars. Je vais garder ici. Franchement, c'est le meilleur téléphone, mec. Mais alors, patron. Dis-moi, tu vas bien terminer ton boulot, Ne vous en faites pas, patron. Tout est sous contrôle. J'ai d'ailleurs même jeté la carte ici. Vous connaissez la suite, n'est-ce pas? Lorsque Dieu commença à créer les hommes, il les a créés puis il a dit « Allez dans le monde et multipliez-vous. » Toi, tu vas à l'église. Et quand il t'a créé à la fin, il a dit « Magnifique. Va dans le monde. » Grand sage. Et vous savez, voilà pourquoi on dit « Ceux qui ne sont pas en Jésus-Christ, ne verront pas le roi. » Toi, tu vas à l'église. Je pars aussi à l'église. Vous me prenez pour... Toi, tu connais, c'est vraiment ça. Deutéronome, chapitre 99, verset 2. Je te dis, mon vieux. Bon, va trouver une chaise là-bas. Va te bénir, je vais chercher. Tu ne savais pas, mais je dis la vérité. Attends un peu. Attends. Yes, dis-moi. Dis-le-moi, c'est sans rancune, oh. Idioma. Number one, parle-nous. Qui est-ce qui appelle là? Moi, je me sens déjà... Tais-toi d'abord, je vais parler sur le téléphone. Tu sais très bien que moi, j'ai peur, oh. Dis-nous seulement qui t'appelle, oh. Mon courrier en surchauffe. Oui. Idioma, ça fait longtemps. C'est comment? Toi, tu vois bien que je parle sur le téléphone? Allô? Allô? C'est Mathieu? C'est qui, là? Mathieu, c'est ton frère Tony. Tony! C'est toi là! Hey! Tony mon gars! Ah ah! Tony, c'est comment? Ça fait vraiment longtemps! Ouais, c'est moi Mathieu, c'est moi. Ah, ça fait du bien d'entendre encore ta voix aujourd'hui. Ça fait vraiment longtemps. Sinon, c'est comment? Comment va la vie? Bien, Mathieu. Mathieu, je... En fait, j'ai eu ton numéro chez ta mère. Bien, Mathieu, il y a quelque chose que j'aimerais discuter avec toi.
chose d'important. Et c'est quoi la chose en question? J'ai appris que tu es maintenant dans l'achat et la vente des vêtements. En grande quantité. Je viendrai à Lagos et j'aimerais que tu m'aides. Exactement, c'est ce que je fais ces jours-ci. Je fais le business de vêtements et des choses comme ça. Il y a l'argent, j'atteins un fonds quelque part et j'espère que ça sera assez pour moi de démarrer. Bon, dis-moi, on parle de combien d'argent ici? Nous parlons de 250 000 lira. Quoi? 250? Bien, ok, d'accord. Bon, 250 000 lira, c'est déjà bien pour commencer toute une affaire, mais... Je vais me rendre au Togo, je crois, le vendredi, si tout va bien. Ouais, précisément ça. Mais si tu veux faire les affaires avec moi, alors il faut être là déjà le jeudi, avant que moi je ne voyage le vendredi. Bon, tu sais, je dois normalement faire, je crois, 3 mois au Cotonou avant que je ne rentre ici, dans 3 mois. Je crois que tu vas devoir attendre 3 mois avant que je ne rentre ici à Lagos. Quoi? Bien, c'est comme ça que je fais mes affaires. Donc tu vas devoir me voir le jeudi pour que nous voyons ensemble vers les Togo le vendredi. Mais si tu ne peux pas me voir comme ça, là tu vas devoir attendre que je revienne et cela va prendre 3 mois. Non. Mathieu, tu sais, je ne peux pas attendre, je ne peux pas. Tony, mon gars, ça fait vraiment longtemps. Mais oui. Grand leader, 350 000, mec. Mais franchement, si j'ai une telle somme, je ne pourrai plus jamais souffrir pour emprunter quoi que ce soit. Mec, mes amis, c'est 250 000 lira. Est-ce que tu peux imaginer ça? Hey, comme si ça tombe du ciel. C'est une grande somme. Hey, regardez-moi bien, les mecs. Je vais acheter une Range Rover. Attendez un instant. Jean, tu as parlé d'attendre? Non, peut-être que je ne prononce pas bien. Tu as parlé de... Vous pensez que je blague, hein? Tu penses que je vais dire que c'est un téléphone? Tu as bu ou quoi? Tu sais que je le garderai pour moi. Non, franchement. Va droit au but, non? Va droit au but, mon cher. Va droit au but. Mon courrier en sursaut, va droit au but, non? Écoute, tu sais que mon nom c'est Mathieu, n'est-ce pas? Ah, franchement. Et laisse-moi te dire ce que dit Mathieu. Franchement, mon vieux. Et écoute bien ce que cela dit. Mathieu chapitre 29. Non, 31. Quantième verset? Et si tu prends le verset 15, ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. Tu vas à l'église, mec. Toi, tu vas à l'église. Sérieux, tout ce qu'un homme sème, il le récolte. Je te dis, mon gars, toi, tu prends. Moi, je ne dis rien du tout. Oui, vous savez. Il y a des gens là-bas dans mon village qui disent tout est vanité. Pourquoi alors tu as dit ça, non? Mais moi, je leur dis. Mais jamais moi, je ne ferai comme eux. Tout l'argent que moi j'aurai. Ça verra même être jeté à la porte. Un peu comme, hein, DSTV, ITV, MyTV, GoTV, IBS et tout ces noms. Mec, et IT. Je te dis, mon gars. Mais pour dire vrai, c'est mon gars. Mais il ne verra rien. Si moi je vois cet argent, les gars, je vais rien envoyer. Je ne vois rien. Je vois l'argent, je prends ça. Attends, oh. Attends. Donc tu essaies de me dire, hein, celui qui est au téléphone là, c'est ta personne intime. Ta personne du village. Oh, son propre sang. Mon gars. Le sang crie plus que tout, non? Ça, c'est mon frère. C'est mon frère. Je vois cet argent, je le prends et rien ne va se faire. Et puis, c'est comme ça, rien du tout. Je vois cet argent, je le prends. Tu vois l'affaire de l'argent. Je ne peux jamais blaguer avec. Ton père et moi étions de très bons amis. Que son âme repose en paix. Amen. Je vous donnerai cet argent sans collatéral. Mais tu dois le payer. Je ne cueille pas l'argent des arbres. Ok, je prête l'argent aux gens et reçois 10 intérêts. Comme tu le vois, je fais cette affaire pour aider les gens. Parce que je sais que les gens ont besoin d'aide. Donc tu dois le payer. Donc, quand tu dis que tu voyages? À tout moment, monsieur. Dès que j'aurai l'argent. Mais, je dois faire vite. Parce que mon ami a dit
qu'il se rendra au Togo vendredi. Donc, j'ai besoin de cet argent afin de faire le voyage avec lui. Donc, ça ne me dérange pas si je peux l'avoir maintenant. Ok. Tu dis que tu voyages vendredi? Oui, monsieur. Et aujourd'hui, c'est mardi? Oui, monsieur. Ok. D'accord. L'argent n'est pas ici maintenant. Hein? Et j'ai eu une importante réunion à parler. Tu reviendras à jeudi soir afin que tu prennes l'argent et tu voyages le lendemain. Hmm? Merci, Mathieu. Merci, monsieur. C'est vraiment gentil. Monsieur, j'apprécie vraiment. Que les dieux continuent de vous bénir. Amen. Tu es l'enfant de mon ami. J'apprécie vraiment. D'accord. Je fais cette affaire pour aider les gens. Les dieux continueront de vous bénir. Amen, amen. C'est bon. Votre mère, qui est ma grande sœur, m'aimait beaucoup. Et elle prenait aussi soin de moi avant de mourir. Donc, en retour, j'ai promis de prendre soin de ses enfants. Et cette promesse est quelque chose que je dois absolument tenir. Donc, je veux que vous sachiez que vous soyez, où que j'aille aujourd'hui, que moi, votre oncle, je vous aime beaucoup. Et je ferai tout pour vous le prouver. Je vais aller emprunter de l'argent chez quelqu'un ce soir. Et demain, aux premières heures, je partirai pour Lagos pour rejoindre un ami dans des affaires. Une fois que je serai à Lagos et je me serai installé, je reviendrai vous chercher et je vous mettrai également dans une bonne école. Mais d'abord, vous devez me promettre quelque chose. Oncle, qu'est-ce que c'est? Vous devez me promettre que vous serez toutes les deux de bons enfants pour maman. Oh, c'est promis, oncle. Et toi, Esther? Je te l'ai promis aussi. Ça, c'est mes anges. Vous savez quoi? Allez me chercher quelque chose à manger. Oh, vas-y. Élisée, son fils. Non. Tony. Nay. C'est ça l'argent. 250 000 naira. Hmm? Merci, monsieur. Comme je l'ai dit hier, pas d'intérêt, pas de garantie. Tu paieras juste le capital au moment convenu. Pas de problème, monsieur. D'accord. Je ne vais pas vous décevoir. Ça va. Merci, monsieur. Ça va. Que les dieux continuent de vous bénir pour tout ce que faites pour les pauvres dans ce village. Amen. Merci, monsieur. Merci. Vas-y. Je vous rendrai fier, monsieur. Vas-y, traite le matin, va rencontrer ton ami et puis commencez les affaires. Hein? D'accord, monsieur. Merci, d'accord, monsieur. D'accord, monsieur. Merci. D'accord. Bye. Que Dieu vous bénisse, monsieur. Bye. Bye.
soeur, bonjour. Bon après-midi. Je vois que vous avez besoin. Est-ce qu'on vous accompagne à l'hôpital? Hôpital? Oh, Dieu merci, hein. Que Dieu vous bénisse. C'est pas un problème, c'est pas un problème, ne t'inquiète pas. Allons-y. Non, laisse-moi te dire. Jette d'abord ce bagage. Chauffeur, mettez la clim, non? Désolé, mon gars, je ne peux mettre la clim. Ok, ne vous inquiétez pas pour le clim. Allons-y seulement. Le carburant coûte cher maintenant. En tout cas, moi j'ai même froid. Mais la clim, vous n'en avez pas dans vos maisons. Donc, vous voulez encore que je vous donne la clim. Allez, arrête la voiture. Arrête la voiture. Arrêtez cette voiture. Arrête la voiture. Tout le monde descend. Allez, bougez pas. Arrêtez. Bougez surtout pas. Tout le monde descendez avec vos bagages. Tout le monde descend. Ne perdez pas de temps. Allez, tout le monde descend. Tout le monde descend. Descendez. Imbécile, descend. Imbécile. Et toi, descends. Descendez vite. Vas-y, toi, descends. Je dis, descends. Ne perds pas mon temps. Donne-moi l'argent. Ok, je n'ai pas d'argent, ok. Je n'ai pas d'argent sur moi, sinon je vais te. Ok, je n'ai pas d'argent, ok. Ok, je n'ai pas d'argent. Tu as une chance de mourir, toi. Donne l'argent, sinon je vais te tuer. Je n'ai pas d'argent, ok. Ne plaisante pas. Je n'ai pas d'argent. Donne-moi l'argent, sinon je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas d'argent. Fouille mon sac. Je n'ai pas d'argent. Surveille-le. Fouille mon sac. Je n'ai pas d'argent. Bouge pas. Bouge pas. Je n'ai pas d'argent. Ok, je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas d'argent. Allô, monsieur. Vous êtes sûr que ce type a l'argent avec lui? Qu'est-ce que tu veux dire? T'as-tu une fois donné une fausse information? Nous l'avons traité de toute manière. Et il insiste qu'il n'a pas d'argent. Ce qui veut dire que vous ne l'avez pas bien menacé. Il a cet argent sur lui, là-bas. Vous devez le menacer bien si vous voulez prendre cet argent.
aucune erreur, d'accord? Réveille-le, réveille-le. Tu vas maintenant donner l'argent. Regarde, je tu n'ai vas pas maintenant d'argent. Donner l'argent. Tu vas donner l'argent je ou pas non? D'argent, regarde, je n'ai pas d'argent. Tu vas maintenant perdre regarde mon sac, je n'ai pas d'argent. Ne blague pas je avec pas moi. D'argent, regarde, je n'ai pas d'argent. Donne-nous l'argent. Mon sac, je n'ai pas d'argent, regarde. Où est l'argent? Je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'argent. Mec, je n'ai pas d'argent. Je n'ai toujours pas d'argent. Je n'ai pas d'argent. Je dis je n'ai pas d'argent. Pardon. Je dis je n'ai pas d'argent. Mon bien. Mon bien. Chauffeur. S'il te plaît, viens. Chauffeur, viens. Cherche-moi mon argent. L'argent? Trouve-moi mon argent dans le coffre, conducteur. Trouve-moi mon argent dans le coffre. Quel argent là-dedans? Et tu me relèves du chauffeur, tu ne peux pas comprendre. Chauffeur, ma vie dépend de cet argent. Ma vie. Trouve-moi mon argent, trouve-moi mon argent. Mon pied, oh. Cherche-moi mon argent, cherche-moi mon argent. Vous ne comprendrez pas. Vous ne comprendrez pas ce que j'ai enduré pour avoir cet argent. Cet argent, ma vie. Cet argent, ma vie. Oh, donne-moi mon argent, chauffeur. Donne-moi ça. Donne-moi mon argent, chauffeur. Donne-moi mon argent, oh. Hey, chauffeur, mon argent. Hey, vas-y. Oh, mon Dieu. Mazioso! Hey! Oh, Seigneur, mon fils! Hey! Mazi! Mazi! Mazioso! Hey! Au secours! Je suis fini! Mazi! Hey! Mazioso! Je suis fini! Hey! Dieu merci, je t'ai trouvé! Mazi! Mazi, le pire est arrivé! Le pire est arrivé! Hey, qu'a-t-il, femme? L'argent que tu avais traité, est-ce que tu l'avais mentionné à quelqu'un, Mazi, dis-moi. Qu'est-ce que tu veux dire? Écoute, mon fils m'a appelé il n'y a pas longtemps. Uh-huh. Il était dans le bus pour aller en ville et les brigands l'ont attaqué. Uh-huh. Il voulait qu'il puisse leur donner de l'argent, mais lui, il a refusé. Il a dit qu'il n'avait rien. Alors ces brigands ont dû tirer sur ses pieds. Dis-moi, what? S'il te plaît, est-ce que tu avais raconté cette histoire à quelqu'un? Comme ça, je saurais d'où viennent ces problèmes. Je t'en prie, Mazi. Parce que ce n'est pas juste. Hein? Je veux comprendre quelque chose, Elisa. Oui. Es-tu en train de dire que je connais quelque chose par rapport à l'attaque de ton fils par les voleurs armés? Oh non, non, je n'ai pas dit cela. Excepté si tu veux me dire quelque chose de la sorte. Mais c'est ce que tu essaies de dire? Non, non, non. Donc tu es en train de dire que j'ai envoyé des voleurs armés pour retirer l'argent de ton Est-ce fils? Est-ce que c'est ce que tu as fait? Hein? C'est ce que tu as fait? Donc, Elisa, tu es en train de me dire que j'ai envoyé des voleurs armés pour attaquer ton fils? Non, 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 vas-y. Oh non, j'ai regretté de vous avoir donné cet argent. Toi et ton fils étaient venus chez moi pour une aide, ce que j'ai fait. Oui. Et maintenant tu es revenu me dire que j'ai envoyé des voleurs armés pour attaquer ton fils. Écoute, si tu penses que c'est un moyen pour ne pas payer cet argent, tu es en train de te tromper. Ah. Tu feras mieux de me retourner mon argent le plus tôt que possible. Si tu ne me paies pas mon argent, tu verras ce que je te ferai. J'ai eu des gens comme toi, ils sont très ingrats. N'importe quoi. Mazi. Oh, Seigneur, que dois-je faire maintenant? Que dois-je faire? Oh. Tony, c'est ici que nous aurons l'argent. Hein? Je veux que tu sois calme, ok? Tu entends? Désolé, je comprends. Je comprends. Hein? Mais Tony, hein? Cette tutesse que tu as depuis l'école secondaire, mais tu l'as toujours, jusqu'aujourd'hui. Hein? Mais qu'est-ce que tu vas faire si ces gens viennent ici et te tirent dans cette partie ou dans l'autre partie de ton corps? Mathieu, cet argent que tu vois là-bas vaut aussi que ma vie. Cet argent vaut aussi que ma vie. Je dois tout faire pour ne pas le perdre. Donc cet argent plus de valeur que ta vie. Hein? Tu as même oublié que ces garçons, ils ne blaguent pas. Je te dis la vérité. Mathieu, s'ils ont pris cet argent, c'est comme ils ont pris ma vie, non? De quoi parles-tu? Hey, Tony. Donc pour toi, s'ils prennent l'argent, ils prennent ta vie. Hein? Et si ils t'avaient tiré à la tête, ou ici, ou là, hein? Comme ça, tu serais déjà mort. Ils auraient quand même pris l'argent. C'est vaut comme mieux, ça. Vaut mieux qu'il m'enlève cet argent. Cet argent, c'est ma vie, Mathieu. Cet argent, c'est ma vie. Mathieu, s'il te plaît. S'il te plaît. Amène-moi à l'hôpital. La douleur est trop. C'est insupportable. Je ne peux pas aller à l'hôpital. Hein? C'est pas grave. Non, d'abord un peu. Il ne faut pas rassembler tes jambes. Hein? Prends ta jambe là. Hein? Mets-la comme ça. Hein? Calme-toi. La douleur est trop.
C'est bon, je comprends. Mais comment se fait-il qu'ils n'ont pas tiré sur une autre personne dans le bus? Seulement toi, comment ça? Ça, c'est là? Comment ça? Mathieu, je soupçonne toujours Tifoso. L'homme qui m'a donné cet argent, je le soupçonne toujours parce que la manière dont les braqueurs se sont concentrés sur moi, c'est comme ils savaient que je suis avec cet argent. Je pense que cet homme savait ce qui m'est arrivé. Il savait. Tu n'as pas besoin de suspecter quelqu'un comme ça. Je connais ces criminels. Ce sont des choses qu'ils ont l'habitude de faire. Ils les font toujours. Mathieu, amène-moi à l'hôpital, non? Mon pied me fait très mal. La douleur est trop. Cet endroit n'est pas bon. Je ne peux pas t'amener à l'hôpital maintenant. Il y a un hôpital très loin d'ici. Hein? Regarde ce que je vais faire. Il y a une femme là qui vendait... juste là. Elle vendait des médicaments. Je vais dans sa boutique, voir si elle est toujours là. Mathieu, si ce n'est pas ce bon samaritain qui m'a donné du tisane, le sang coulait trop jusqu'à ce que ce bon samaritain a passé certaines tisanes sur mon pied. Sinon, si ce n'est pas grâce à ce bon samaritain, je ne serai pas là en ce moment. Mathieu, amène-moi à l'hôpital, s'il te plaît. Calme-toi. Cet endroit est mauvais. Je t'avais bien dit que cet endroit n'est pas bon. Hein? Par la grâce de Dieu, nous avons survécu quand même. Calme-toi, ça va aller. Et puis, c'est que je vois encore du sang couler, noir. Donc, la balle est encore à l'intérieur. Calme-toi. Je vais aller, aller chercher les médicaments. Je vais aller, où est l'argent en question? Est-ce que j'ai l'argent? Les chances, non. Je vais aller quand même. Ça va là-dedans? Allez, descends vite, descends. Descends vite. Là. Allez, baisse-toi bien. Hey. Si t'entends un seul bruit, hein, je vais vous faire péter les cerveaux. Ok. Où est l'argent? Donne-nous l'argent. Donne-nous l'argent. Mon argent. Ça veut dire que ça t'envoyait mauvais. Ça veut dire. Il fallait pas rester ici. Tu n'as pas voulu m'écouter. Tu vois maintenant. Mon argent. Oh mon Dieu. Mon Dieu. Jésus. Et ça c'est casse-couille, là. Tu vois maintenant. Hein? Ça veut dire, on ne veut pas rester ici, tu vois. Si seulement tu pouvais m'écouter, tout ça ne serait pas arrivé. Voilà maintenant. Hein? Aïe. C'est quoi cette bêtise? Ceci n'est jamais arrivé dans cette maison avant. Jamais. Ce n'est jamais arrivé. Hein? Ces garçons, ils vont mourir. Dieu va le punir. Ils vont mourir l'un après l'autre. Imagine. Hein? Hey. Donc mon argent est parti. Juste comme ça. L'argent n'est pas important, ta vie d'abord, hein? S'il te plaît. Écoute, il faut que tu te calmes, hein? Attends, je vais appeler une personne qui pourra t'emmener, hein? À l'hôpital, hein? Donc, regarde, c'est quoi? Le sang. Maintenant, je n'ai plus l'argent. Et regardez mon pied. Ta jambe n'est pas importante. Je serais resté au village tout d'abord. Pourquoi serais-je venu à Lagos? N'est jamais trop tard, hein? Attends juste que je parle, hein? Les perles sont en train d'affecter mon esprit. S'il te plaît. Allez.
pas pu faire ça. Quelle raison? Ça me rend trop méchant chez Jean. Bon, je dois partir. Hein? Bon, enfin, j'arrive. Hein? Attends. Maintenant, je n'ai plus mon ange. Je n'ai plus. Regarde mon pied. Calme-toi. Pourquoi suis-je venu à Lagos? Pourquoi suis-je venu à Lagos? Ce n'est pas tard. Ce n'est pas mieux que je sois resté au village avec ma mère. Où est ce sale garçon inutile? Ce bâtard-là. Donc, tu es l'un de ses amis criminels, c'est ça? Hein? Est-ce que je mens? Non. Ferme ta sale bouche. Mais attendez, je peux m'expliquer. Donc, tu ne veux pas partir. Écoutez. Okay. T'en fais pas. Attendez. Laissez-le. Oga, s'il vous plaît. Oga, qui vous appelez? Oga, allô? Regarde mon pied. Oga, oui, regarde mon pied. OPJ. L'argent, notre vie va changer. Matthieu 31, verset 12. Lorsqu'un homme aura ses mains, il va aussi les moissonner. Ouais, grand idée. Les gars, il faut tout collecter partout. Partout, tu passes, tu prends, donne l'argent. Où est mon argent? Demande-lui, c'est lui qui en a. Ouais, il va te faire. Ouais, voilà. C'est complet. Vraiment tout complet. Oui. Vraiment, la vie nous sourit maintenant. L'idée, on est une équipe de 3 personnes et on va faire un partage équitable. Mais avec moi, vous allez m'ajouter un peu plus pour la visa. Hé, tais-toi. Tu as déjà l'argent, ça ne suffit pas. C'est quoi? C'est malade? Mais tu te crois ou toi? Non, mais c'est quoi ça? C'est malade? Pas de problème alors. Ça suffit déjà. Tu as déjà eu l'argent, ça suffit comme ça. On a fait un travail trop risqué toute la nuit. Et si je demande un peu plus, où est le mal, grand idée? Hein? Je n'ai pas débordé. Tu as raison. C'est toi, le boss, je sais. Il y a Yémi Aladdin qui a même dit, la vie n'appartient qu'au courageux. Et je jure d'en faire mal. Je ne veux pas d'autre histoire. Vous êtes des gars, n'est-ce pas? Mais finalement, comment je dois vous le prouver? Vous voulez quoi, finalement? Toujours agité. Ouais, je suis calme. Il faut que tu te calmes, hein? Il faut que tu te calmes! Ouais, j'ai compris, grand leader. Bon, ajoute-moi une cigarette, je vais fumer. On parle à le pénou, on parle du mot. Sois le bienvenu, Mazi. J'ai pas besoin de ta salutation. Où est mon argent? Mazi, écoute, je t'en prie. Juste, donne-moi quelques temps, je vais payer. Assez ces conneries. Assez. Ne pense pas que je le prendrai à la légère avec toi, après ce dont tu es venu m'accuser chez moi. Ça me devient très difficile de te tolérer, Elisa. Donc, fais tout pour apprêter mon argent. Si je reviens encore ici et tu ne me donnes pas mon argent, tu n'aimeras pas ce que je te ferai. N'importe quoi. Thank you.
Allô, docteur? Oui, bonjour, monsieur. Comment le travail? Le travail va bien, monsieur. Très bien. Et où en sommes-nous donc avec notre dossier? Tout est sous contrôle, monsieur. Merci. J'aimerais donc faire un autre deal avec toi. Hmm? Et je crois que ça va t'arranger. Et j'ai aussi appris que deux femmes sont hospitalisées dans ton hôpital. Vous avez raison, monsieur. Que voulez-vous que nous puissions faire? J'ai donc besoin de leur bébé et de leurs organes, immédiatement. Waouh! Oh! Je suis vraiment désolé, monsieur. Je pense que nous prenons des risques avec ce genre de travail que nous faisons. Nous avons déjà réalisé beaucoup de choses, surtout ce dernier temps, monsieur. Et cela nous causera vraiment du tort. Et vous le savez bien. Et pour la plupart de ces femmes, leurs maris se posent continuellement des questions et déposent des plaintes un peu partout. Quelle explication nous pouvons donner? Messieurs, je pense que si on doit vraiment réussir dans ce travail, alors il nous faut être conscients des principes fondamentaux concernant ce travail, messieurs. On doit éviter de se compliquer la vie, messieurs. Ça, c'est exactement le langage d'un docteur. Écoute-moi bien, docteur Martin. En t'entendre parler, docteur, tu penses maîtriser plus de principes que moi. Et avec cette allure, j'ai comme l'impression que tu vas trahir. N'est-ce pas? Mais avant que tu ne le fasses, je vais définitivement déjouer ta carte et tu ne comprendras rien. Oui. Messieurs, vous amenez les choses trop loin. On devrait être sur la même longueur. Peu importe. Moi, je m'en fous. Je veux que tu comprennes ceci. Aussi longtemps que cette affaire existe, je reste le seul maître. Et je suis le responsable de toutes les affaires. Donc, n'ose même pas agir de cette stupide manière. Car tu connais déjà ton sort. Je crois que je me fais comprendre. N'importe quoi. Vas-y, arrive. S'il demande après moi, dis-le que je t'ai parlé. D'accord. Arrête. Bon après-midi, monsieur. Où est ta mère? Es-tu sur route? Je demande, où est ta mère? Elle n'est pas là, monsieur. Où est-ce qu'elle est allée? Elle est partie au marché. Elle est allée au marché. Quand elle revient, dis-lui de ne pas jouer avec le feu. Sinon, elle sera brûlée. Est-ce que je me suis fait comprendre? J'ai pas trouvé cet argent. Thank you.
messieurs. Bonjour, sœur. Oui, bonjour. Je vois que vous avez besoin d'aide. Pourquoi ne pas me laisser vous accompagner à l'hôpital? Hôpital? Oui, bien sûr. Merci beaucoup. C'est bien, c'est bien. Que tu... Oh non, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Allons-y. Allons-y. Laisse-moi. S'il te plaît, aide-moi. Allons-y. Je suis désolé. Désolé pourquoi? De m'appeler. Ça sent mauvais. Je suis censé aller à l'hôpital. Mais je n'ai pas d'argent sur moi. Ne t'inquiète pas. Ça va. Ça va. Je comprends très bien. Hein? Ça va. Est-ce qu'on peut y aller? Ok. Look at the way that she moves. See the way she rolls. Salut. Salut. Tu es réveillée? Oui. Je ne voulais pas te déranger quand tu étais venue ici. Mais je peux voir que tu vas très bien actuellement. Alors, est-ce qu'on peut parler? Ouais. Ok. Qu'est-ce qui t'est arrivé, au fait? Bien, comme tu peux le voir. C'est une blessure de balle. On a été attaqué par certains braqueurs sur notre chemin de Lagos. Ils ont fait sortir tout le monde dans le véhicule et je n'ai rien à leur donner. Donc, ils ont tiré sur moi. Oh mon Dieu! Ça a dû être vraiment dur. Bien, je suis contente pour toi. Dieu merci, tu récupères. Je remercie merci. Également Dieu parce que ça n'a pas affecté tes jambes. Ça va. Je pense que c'est mon sort. Ne t'en fais pas. Tu iras beaucoup mieux, je t'assure. Merci. Mm-hmm. Alors, quel est ton nom? Mon nom est Angela. Wow, Angela. Un joli nom. Merci. Je m'appelle Tony. Je le sais déjà. Vraiment? Oui. Qui est la femme qui t'a emmenée ici? Qu'en est-il d'elle? Non, je ne fais que demander si elle est ta sœur ou ta copine, ta fiancée ou je ne sais pas. Rien de tout cela. Elle s'est arrêtée en me voyant souffrir au bord de la route et a décidé de m'aider. Waouh! Une bonne samaritaine, je dirais. Ouais. Quelque chose du genre. Je vois. Une fois de plus, je suis content pour toi. Au moins, tu peux marcher sans que cela n'infecte tes jambes. Je suis contente.
Esther. Bonjour, maman. Bonjour. J'espère que tu as bien dormi. Maman, j'ai fait un rêve. Esther, la rêveuse, de quoi as-tu rêvé cette fois-ci? C'était oncle Tony. Qu'est-ce qui lui est arrivé dans le rêve? Je vis oncle Tony dans mon rêve. Il dormait dans la route et puis là où il dormait, ça faisait très noir partout et il était en train de pleurer. Quoi? Tony pleurait dans ton rêve? Oui, maman. Il faisait noir partout et Tony pleurait dans ton rêve. Hey. Esther, maman. Apporte-moi mon téléphone. Allô? Tony, comment tu vas? Tony, Esther a fait un rêve horrible à ton sujet la nuit. Je veux que tu puisses beaucoup prier. Elle a dit qu'elle t'avait vu en cours des routes dans l'obscurité, en train de pleurer. Pas bon signe. Et tu sais bien que ses rêves se réalisent toujours. Tu dois beaucoup prier à propos de ça. Remets-toi entre les mains de Dieu. S'il te plaît. Continue de prier. Nous aussi, nous prierons pour toi ici. S'il te plaît, mon fils, prie beaucoup. Ok? Prends soin de toi. Merci beaucoup pour tous tes efforts. Tu es merveilleuse. Je vous en prie. Oh, je crois vraiment encore. De même que moi. Ok. Au revoir. Prends bien soin de toi.
Bonjour. Regarde toi. Bonjour, bonjour Barbara. Comment t'as passé la nuit? Très bien. J'ai dormi comme un bébé. J'espère c'est là. Ok, pourquoi pas aller en haut prendre un bain et descendre pour prendre des petits déjeuners. On doit aller faire un tour dans quelques minutes. D'accord. Je reviens tout de suite. Pourquoi tu es seule dans cette grande maison? Seule? Qui a dit que je vis seule? Il y a la sécurité qui vit avec moi. Il est là. Allez, Barbara. Ce n'est pas ce que je veux dire. Je veux dire tes proches. Ta famille. Tes enfants. Ton petit ami. Tu sais ce que je veux dire. Tony, ne t'inquiète pas. Tu apprendras beaucoup plus sur moi, mais dans les moments propices. Bien, tout ce que j'essaie de dire, c'est que ce n'est pas juste pour une si jeune belle fille comme toi de rester seule dans cette maison. Ce n'est pas sécurisant. Je ne me dérange pas. Barbara, où est-ce que tu m'emmènes? Je vais te montrer quelque chose. Où exactement? Sois calme. Attends qu'on arrive. À tes ordres. Toujours souriante. Barbara. Évidemment. Tu étais curieux de connaître mon intention. C'est où cet endroit? Ça. Pour faire quoi? Ça. Sont des clés de cette maison. Et ça. C'est la clé des contacts, parquée à l'intérieur de cette parcelle.
C'est à toi. Barbara, oh mon Dieu. Tu m'as acheté une voiture et une maison? Oh mon Dieu, Barbara. Allez, prends ça, ouvre. Ouvre ça. Barbara. C'est ta maison. Barbara. Tu as aimé? Barbara. Je l'adore. C'est vrai. Je l'adore, Barbara. C'est ma voiture. Uh-huh. Oh, mon Dieu. Barbara. Barbara. Barbara, tu ne m'as rien dit de tout ça. Hein? Tu me surprends toujours. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter tout ça? Je ne peux pas y croire. C'est ta carte ATM. Prends ça. C'est pour toi. Le code est 2285. Retire donc ça et dépense autant que tu voudras. Barbara. Pourquoi tu me mets dans ce confort? Quand ma vie même n'est pas équilibrée. Oh, Barbara, je ne sais même pas comment te remercier, honnêtement. Oh. Oh, Dieu. Mais ne t'inquiète pas, on parlera de ça plus tard. Réjouis-toi de ta nouvelle maison. Oui. Je pars déjà. Barbara. Donne-moi mon bébé. Donne-moi mon bébé. Non, Jésus. Donne-moi mon bébé. Jésus. Oh, mon bébé. Mon bébé. Mon bébé. Mon bébé. Oh, Jésus.
Oh, mon téléphone, mon téléphone, mon téléphone, mon téléphone. Oh, chérie, 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 je sais. Oh, mon père ne répond. Chérie, chérie, je fais un cauchemar. Regarde-toi. Juste une semaine et tu as complètement changé. Impressionnant, hein? Tu es superbe. Absolument. Merci, Barbara. Merci. Tu l'as rendu possible. Je te dois une gratitude sans borne pour tout ce que tu m'as fait. Ce n'est rien. Assieds-toi. Je merci. D'accord. D'accord, merci. Tu as quelque chose à me dire? En fait, Barbara, je suis venu pour qu'on discute. Et c'est très, très important. Qu'est-ce que c'est? Barbara, tu as merveilleusement bien fait pour moi. Merci beaucoup. Tu m'as vu souffrir. Tu m'as pris et tu m'as nourri. Quelqu'un qui se trouvait dans la rue sans rien. Tout d'un coup, il commençait à vivre dans le luxe. Tout ça grâce à toi. Mais au fond de moi, je sens toujours que ce n'est pas encore terminé. Il y a encore quelque chose qui manque. C'est pourquoi je suis venu pour discuter avec toi. Tony, qu'est-ce que tu veux réellement me dire? Barbara, quand j'ai vérifié mon compte bancaire, j'ai vu l'argent que tu as laissé dedans. L'argent que tu as laissé à ma disposition est 40 millions de naira. Barbara, ça, c'est assez d'argent. Beaucoup d'argent. Je ne peux pas juste gaspiller cet argent. Je ne peux pas le dépenser n'importe comment. Je dois l'investir. Je dois le multiplier. Barbara, j'envisage de me lancer dans l'importation. Je veux devenir un homme d'affaires à plein temps. Ça, c'est une très belle voix qui réfléchit. Tu es un garçon intelligent. Merci. J'aime ça. Mais je ne veux pas que tu investisses. Parce que ce n'est pas le moment. Qu'est-ce que tu veux dire? Tony, c'est ce que je te demande. Je t'ai donné cet argent pour que tu les dépenses. Et non pour investir dans un business. Je sais que ça va te rendre confus. Mais je ne veux pas que tu me poses une question. Ceci, c'est un ordre. Tu dois le faire comme demandé.
Mais Barbara, et l'homme dont je t'ai parlé, que je dois au village? Tony, oublie à propos pour l'instant. On verra ça après. Barbara, cet homme est sur le coup de ma mère. Hein? Je comprends. Mais laisse ça pour l'instant. Ok? D'accord, Barbara. Si tu insistes, je ferai exactement comme tu veux. Mais je suis venu aussi pour te dire que je vais bientôt voyager au village pour voir ma mère et mes deux sœurs, Esta et Sharon. Et j'aimerais les faire venir en ville. C'est la promesse que je leur ai faite. En tant que leur oncle, j'aimerais la tenir. Tony, tu mets beaucoup de choses en considération. Et j'aime ça. En effet, j'aimerais rencontrer Esta et Sharon. Merci. T'inquiète, prends ton verre. Laisse tout à moi. D'accord, Barbara. C'est ton tour. Tu es en train de tricher. C'est pas vrai. Ferme tes yeux. Ok, Tony. Ok, la voiture. Je suis comme ça. Ouais, je suis du genre. C'est votre voiture. Ah, je t'avais dit. Ah, non. Ok, Tony. Où se trouve maman? Où est-elle? Oui, elle est là. Hey, maman. On est dans Kenéo. Maman. Maman. Nemo. Mon fils, tu maman, tu es bien en forme. Ça, c'est toi? Né, tu as changé où? Maman. Hey! Hein? Tu as porté les converses. Maman. Hey, mon fils, tourne. Vas-y, tourne, tu es venu avec un. Hey, mon fils, oncle. Elle est jolie comme ça. Hey! Tu es venu avec une voiture? Maman, oublie la voiture pour le moment. Hein? Je vais qu'on rentre. Allons à l'intérieur. Tu m'avais pas dit que tu avais acheté une voiture. Mon fils, une Jeep en plus. Maman, oublie la voiture. Hey! Servez-moi boire d'abord, maman. On y va, entre vous. Voilà. Hey, maman, oui. Regardez. Maman, laisse la voiture là-bas. Viens à l'intérieur. Viens avec nous. Hey. Donc, maman, c'est ça. Hein? Cette fille m'a vue et m'a aimée. Et s'intéressait beaucoup à moi. Maman, tu dois voir cette fille. C'est une personne très gentille. Oh, je suis sûre que je la verrai un jour. Bien sûr, maman. Bien sûr. Oh. À propos de cet argent que nous devons à Mazioso, qu'est-ce que tu en dis? Quand est-ce que nous allons payer cette dette? Maman, comme je te l'ai dit, je n'ai pas encore commencé à faire mes affaires. Hey. Mais ne t'inquiète pas. Cette fille a promis d'établir quelque chose pour moi. Ma principale raison de venir dans ce village est de ramener Esta et Sharon avec moi en ville. Je n'aime pas vraiment qu'elles grandissent dans ce village. Hey. Mais quant à l'argent que nous devons à Mazioso, ne t'inquiète pas pour ça. Dès que cette fille m'arrange, je reviendrai pour lui rembourser. Fais-moi confiance. Ok. Fais-moi c'est confiance. Bon. J'ai tout entendu, mon fils. Crois-moi. Pas de problème. Remettons-toi entre les mains de Dieu. Maman, ne t'inquiète pas pour ça. Qu'est-ce qui t'amène chez moi? Bonjour, monsieur. Je demande, qu'est-ce qui t'amène chez moi? M'as-tu apporté mon argent? Oui, j'ai apporté ton argent. Okay. Mais... Je n'ai pas apporté la totalité. C'est juste une acompte. Mon fils me l'avait remis hier avant qu'il ne reparte en ville. Tu ne savais pas que tu étais insensé.
Hein? Je ne savais pas que tu étais insensé. Tu es stupide et idiote. Oh. Combien ai-je donné à ton fils? Hein? J'ai donné à ton fils 250 000 naira. Et non 50 000. Mais j'ai pensé que je devais le payer par tranche. Tais-toi et disparais de ma vie, s'il te plaît. C'est quel visage ça? Ah ah! Quel genre de femme es-tu? Fais tout pour compléter l'argent avant de revenir ici. N'importe quoi. Quel genre de femme es-tu? Ah! Faites. Hey, quelle belle maison. Comment vas-tu? Je vais bien. Juste comme toi. Bon après-midi. Bon après-midi, les belles filles. Les filles. Voici mon amie spéciale. Ma meilleure amie. La seule et unique. Barbara. Barbara? Voici mes nièces, Esther et Sharon. Ce sont des belles nièces que tu as. Merci. Assieds-toi. Alors, comment allez-vous les filles? Ça va, tantine. Votre oncle m'a beaucoup parlé sur vous et j'avais le désir de vous rencontrer. J'espère que vous appréciez votre nouvelle maison, n'est-ce pas? J'aimerais un peu vous distraire de votre jeu. J'ai besoin de votre faveur, les filles. J'aimerais vous emmener pour quelques shopping. Alors entrez dans la chambre, habillez-vous. Et on va partir. Qui veut dire shopping? Oh, désolée, tantine. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Sophie. Ça veut dire que je veux passer le temps avec vous, les filles. Ah, ok. Je vois. D'accord. Ses enfants. Bon, allez vous habiller, on va partir, ok? D'accord. Un instant, tantine.
Alors, dis-moi plus sur elle. Elles sont les enfants de ma grande sœur. La seule sœur que j'ai jamais eue. Son mariage était raté. Elle s'est mariée à la mauvaise personne. La famille de son mari l'a frustrée jusqu'à mort. C'est vraiment douloureux. Ouais. Ils ont rejeté Esther et Sharon. Et où est le problème? Ils les avaient rejetés. Mais toi, tu les as acceptés. Comme le tien. Ouais, tu as raison. Je veux m'assurer que je leur donne une bonne vie. C'est la promesse que j'ai faite à ma sœur. Alors, c'est ton travail d'honorer cette promesse. C'est pourquoi je travaille dur. Où est-ce que je suis? Qu'est-ce que je fais dans la poubelle? Esther! Sharon! Esther, Esther! Esther, réveille-toi, Sharon! Réveille-toi! Sharon, réveille-toi! Réveille-toi! Ça pue! Nous sommes en train de faire ici. Je ne sais pas. Je me suis réveillé en nous voyant ici. Allez, allons-y. Je ne sais pas. Oncle, je suis fatiguée. Moi aussi. Je suis fatiguée. Où est notre maison? Ne vous inquiétez pas, les filles. D'accord? On sera bientôt à la maison. Hein? On sera bientôt là. Ne vous inquiétez pas. Je suis fatiguée, je commence à avoir faim. T'inquiète pas, quand nous rentrons, on en parlera. Mais c'est jusqu'où? Je commence déjà à me lasser. On va se toucher quand on rentrera, on sera bientôt là, d'accord?
Oncle, sommes-nous perdus? Croyez-moi, les filles. Je suis aussi confus que vous. Je n'ai absolument aucune idée de ce qui se passe. J'ai essayé de nous ramener à la maison. Mais il semble que je ne puisse pas. La seule chose dont je me souviens, c'est qu'on a dormi dans notre belle maison. Et on s'est réveillé dans un environnement très sale, dans une rue inconnue. Et depuis lors, je n'arrive pas à trouver le chemin de notre maison. Alors, qu'allons-nous faire maintenant? Non, dis-moi, qu'allons-nous faire? Moi, j'ai très très faim. Honnêtement, je n'ai aucune idée. Mais j'essaie de piger ce qui se passe. Oncle, trouve-nous une solution. Moi aussi, je veux. Ça va, ça va. On trouvera bientôt le chemin de la maison, d'accord? Bonjour, madame. Oui, bon après-midi. Madame, s'il vous plaît, ne soyez pas offensée. Mes jeunes sœurs ont tellement faim. Et je n'ai pas d'argent pour leur acheter à manger. S'il vous plaît, je ne sais pas si vous pouvez m'aider avec un peu d'argent afin que je puisse leur acheter quelque chose à manger. Ok, ok, pas de souci, je vais vous aider. D'accord. Ok, vous pouvez prendre ça. Oh, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Pas de souci. Merci. Hein. Merci, merci beaucoup. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci. Bye. Bye. Tony. Barbara. Barbara, Dieu merci que tu es là. Quelque chose ne va pas bien. Honnêtement, c'est comme tout ce que tu m'avais donné était parti. Parti? Oui. Je me suis réveillé ce matin et je me suis retrouvé à dormir dans une poubelle avec mes petites sœurs. Et depuis lors, j'essayais de retrouver le chemin de la maison, mais je n'arrive pas. Bien, je ne sais pas. D'accord. Entre dans la voiture, on va parler. Entre. Mais c'est où cet endroit? C'est bon, Tony. Entre dans la voiture. Salut les enfants. Entrez. Esta Sharon. Venez, venez, venez. Madame, merci. Ok, il n'y a pas de problème. Entrez. Ah, où sont les enfants? Mais entrez. C'est bon, entrez. Sentez-vous à l'aise. Ça va? Barbara, bon sang, que se passe-t-il?
Comment se fait-il que j'ai dormi dans la maison avec mes petites sœurs et nous nous sommes réveillés en nous retrouvant dormir dans une sale rue? Nous ne pouvions même pas retrouver notre chemin. Dis-moi, est-ce que j'ai rêvé ou quoi? Hé, les enfants, pourquoi ne pas aller là-bas? Il y a la PlayStation pour vous, les filles. Entrez vous amuser. Allez-y. Vous ne comptez pas la direction? Faites ça alors. Tony, pour répondre à ta question, non, tu ne rêves pas. Tout ce qui s'est passé est vraiment réel. Qu'est-ce qui est réel, Barbara? Dis-moi, qu'est-ce qui est réel? Et comment se fait-il que tout ce que tu m'as donné ait soudainement disparu? Pourquoi ne pas t'asseoir? Nous avons assez à se parler. Mais toi? Tu sais, il y a quelque chose de très important que tu dois savoir. Une chose importante que je dois te dire. Mais je ne sais pas si tu es prêt. Qu'est-ce que c'est? Pour le moment, j'appartiens à une fraternité très puissante, connue par le nom de Azima Family. Nous travaillons tous en nous référant à ce grand Azima. Sérieux? Tu sais, notre devise, c'est être très riche, influent, populaire, et ça nous donnera la protection. Mais encore une chose très importante que tu dois faire pour devenir membre. Tu dois passer par un très grand rituel. Et en retour, tu deviendras riche, tu deviendras populaire, ça va te protéger, mais ça va te causer quelque chose de très précieux. Tony, j'appartiens à cette famille. Et je vais t'introduire. Oh, mon Dieu. Barbara. Donc, c'est ça. La maison est toute autre chose que tu m'as donnée. Donc, c'est ça l'intention. Barbara. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Mais je te dis maintenant. Non, tu ne le fais pas. Tu essaies de me forcer dedans. Bien, c'est ce que tu vois. La vérité est que je te connaissais avant maintenant. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu vois, je t'avais croisé avant maintenant. Oui. Je t'avais croisé dans mon rêve. Je t'avais vu. Tu souffrais. Tu ne savais comment marcher avec tes pieds. Tu suppliais pour demander de l'aide. Et lorsque je t'ai venu, je t'avais relevé exactement comme tu le sais. Et lorsque je t'ai réveillé, c'était un rêve. Je l'avais raconté à mon grand maître.
Et il m'avait tout révélé. Tu sais, Tony, nous savons tout sur toi. Nous connaissons ton passé, ton présent, ta destinée nous appartient. Alors, tu vois, tu n'as pas une autre option. Non, j'ai de l'option. J'ai un choix. Oh, mon Dieu. Barbara, je ne peux pas croire que c'est toi qui me dis ça. Est-ce vraiment ce que tu es? Oui, Tony, c'est où je suis. J'appartiens à Azima Family. Tu vois, la famille à laquelle j'appartiens, je leur donne tout ce qu'elles veulent. Et en retour, elle fait de moi très riche, puissante, influente. Barbara, si je peux me permettre, que leur as-tu donné exactement? Bien, je vais te montrer quelque chose. Tony, viens avec moi. Je veux que tu vois toi-même. Voir quoi? Attends. Enlève ta chaînette, s'il te plaît. Barbara. Barbara. Entre, Tony. Entre. Barbara. Entre. Oh, mon Dieu. Barbara. C'est ce que tu leur as donné. Sacrifice humain. Exactement. Allez, Barbara. C'est barbarique. C'est ce que notre fraternité demande. Le sacrifice avant tout. Qui est ce gars? Il fut mon petit ami. Mais pour le moment, je l'utilise comme un oiseau. Ton petit ami. Écoute, Tony, tu n'as pas à me juger. Parce que tu sais déjà qui suis-je réellement. Comme une jeune fille, j'avais tant souffert. Une fille comme moi n'était pas destinée aux choses qui m'étaient arrivées. C'était cruel et aussi inhumain à mon égard. Mais ça ne m'avait pas captivé. Ça m'avait poussé à sauter sur n'importe quelle opportunité dans la vie. Tony,
Le destin est très puissant, phénoménal. Ça décide toujours sur nos vies, à notre place. Ça nous garde pratiquement la joie. Pour mon cas, tu n'as pas à me blâmer. Accepte-moi tel que je suis. Oui. Mais je savais ce qui se passait. Je m'étais préparée pour ça. J'avais complètement tué ma conscience. Tu vois, je vis dans cette belle maison, moi seule, parce que je n'ai pas de famille. D'ailleurs, Azima Family, c'est la seule famille que j'ai. Je suis contente. Barbara, je comprends ça. Mais qu'en est-il de la maison, de la voiture et de toute autre chose que tu m'as donnée? Qu'en est-il d'elle? Bien. Je l'avais fait parce que je voulais que tu puisses tester la différence qu'il y a entre la richesse et la pauvreté. Tu sais, tu as toujours vécu dans la souffrance dans ta vie. Mais je voulais que tu puisses tester la richesse en une semaine. Et maintenant, tout est parti. Tu dois aussi faire quelque chose pour que tout cela revienne. C'est pour te dire, il y a de l'argent irrésistible. C'est très puissant. Nous ne pouvons pas vivre sans cela. Oh. Tony, je veux t'aider. Ça, c'est une opportunité pour toi. Tu ne peux pas vivre le reste de ta vie tout en espérant. Non! Tu ne peux pas laisser ces enfants retourner dans la rue. Il n'y aura rien pour toi là-bas. Il n'y aura pas d'espoir pour toi là-bas. Arrête d'espérer, Tony. Il est temps d'agir. Barbara, je t'ai entendu. Mais je ne suis pas intéressé. Ça, ce n'est pas moi. Barbara, j'ai appris l'histoire des gens qui se sont mis dans ce genre de choses et la fin s'est tournée contre eux. Ça, ce n'est pas la vie, Barbara. En tout cas, pas pour moi. Je ne peux pas m'associer à quelque chose de diabolique. Jamais. Ça, ce n'est pas moi. En tout cas, merci pour tout. Mais je ne suis pas intéressé. On 3, 1, 2... Esther et Sharon, levez-vous, nous quittons ici immédiatement. Hein? Je dis levez-vous, nous quittons ici immédiatement. Oncle, tu as la vérité. Tais-toi et lève-toi. Qu'est-ce que c'est? Reviens ici. Il n'y a pas d'espoir pour toi là-bas. Bonsoir, homme de Dieu. Bonsoir. Bonjour. Bonjour, monsieur. S'il vous plaît, j'ai besoin de votre aide. Et comment puis-je t'aider? Monsieur, je ne sais pas si vous pouvez nous aider à trouver un abri dans votre église.
Elles sont mes petites sœurs. Nous sommes dans la rue depuis le matin en cherchant de l'aide. Je suis fatigué. Honnêtement, je ne sais plus quoi faire. S'il vous plaît, pouvons-nous passer cette nuit ici? Jeune homme, écoute-moi. Il n'y a rien que je puisse faire pour toi. Je suis désolé. Ceci est un bâtiment nouvellement construit. Je ne l'ai pas construit pour que des personnes sans abri viennent s'y installer à tout moment. Si vous voulez de l'aide, je vous suggère en tout cas d'aller voir ailleurs. Je sais. Mais s'il vous plaît, pour l'amour de Dieu, aidez-nous. Nous n'avons nulle part à aller. J'ai dit que je ne peux vous aider. Jeune homme, es-tu sourd? Vous ne pouvez pas nous aider. Mais vous dites être l'homme de Dieu. Je me demande ce que vous dites à vos membres. Jeune homme, tu n'as aucun droit de me parler ainsi. Oui, tout est là. Je dois me rassurer que mon collier est complet. Oui, il y a tout dedans. C'est ok. Je t'envoie quelque chose tout de suite. D'accord, monsieur. D'accord, monsieur. Où est la femme là? Entrez là-bas et fais sortir tout. Ah, mais doucement, non? Vas-y. Oh. Écoute, femme, je revendique cette maison à cause des 250 000 que ton fils me doit. Et je ne vais pas te laisser entrer jusqu'à ce que tu me rembourses mon argent. Si je reviens ici et te vois à l'intérieur, j'irai t'enfermer quelque part où tu ne verras plus jamais le soleil. Vas-y. Marquez mes mots. Vas-y. Est-ce que je me suis fait comprendre? Vas-y, Ozo, s'il te Allons-y. Plaît. Allons-y. Vas-y. Vas-y, Ozo. S'il te plaît. S'il te plaît. Mais je vais commencer à dormir dehors. Vas-y, s'il te plaît. Vas-y, Ozo. Hey. Mais, Chimo, que dois-je faire maintenant? Où est-ce que je vais trouver ces 250 000 lira? Où est-ce que je vais partir? Allô? Allô, mère. Tony, où es-tu? Ta mère est dans les problèmes. Maman, c'est quoi le problème? Chief Ozo. Il était venu ici avec deux jeunes hommes.
Ils ont fermé la maison et moi j'étais dehors. Quoi? Comment pourrait-il faire une chose pareille? As-tu oublié que nous lui devons de l'argent? Et puis quoi, maman? Et puis quoi, maman? Bien sûr que je n'ai pas oublié qu'on lui doit. Mais qu'est-ce qui lui a donné cette audace? De venir dans la maison de mon père et de te faire sortir. Tony, je suis dehors et il pleut. Je suis seule et il fait froid. Maman, je ne veux pas laisser tomber ce que nous endurons, ce géant d'humiliation. Je jure, maman, je jure, maman. Il vivra l'enfer pour ça. Maman, je vais lui régler son compte. Je vais lui régler son compte, maman. Ah, je ne sais quoi faire. Je savais qu'ils allaient venir. Laisse-le entrer. Je suis prêt. Bien. Venez avec moi, les enfants. Tiens-toi là. Tes yeux. Efface ta conscience. Ils voulont partir.